bouncy. Good morning, everybody. Pickleball this morning. We are the 13th of January, about 1 month and a day. We'll fly to Atlanta and see my friend from United States, my family, Camper 2020, Screwball, and maybe Poncho. Okay, just want to present you the 2 days that I spent in the wood. Je vais vous présenter le camping d'hiver qu'on a fait dans un secteur au nord de Montréal, dans le sentier de Matawinie Sud. Donc, Suzanne, allô Suzanne, je sais que c'est ton secteur un petit peu, Matawinie Sud ou Matawinie Nord, bref. On va se faire une petite vidéo de camping d'hiver. Bye bye. Un petit feu parce qu'il annonce moins 17, moins 20, fait que ça va être frais en tabarnouche. Tonight is going to be very cold, around 0 degree in Celsius. It's about minus 17 or 18. So we prepare the fire for tonight. We need the hammock from my friend Benoit. So this is a super Cadillac from hammock in winter. So what's the brand of the tarp? Simply Light Design. Okay, it's made from United States. Yeah. Okay. Inside there's a all custom. Yeah. Okay. You can. Ask it for the length, the color, all this. Inside it's a war bonnet. Ridge runner. Double layer. And under quilt is from hammock gear. It's 0 degree, minus 17. And inside you have, I think you have a top quilt, 0 degrees. So it is? Yes. From who?
Hammer gear too. Hammer gear. Econ. Okay, fine. And it's it's the Cadillac of Hammer for winter. Super. Alors, j'aimerais vous présenter mon abri pour les deux nuits, trois nuits qu'on vient de passer. Alors, c'est une compagnie War Bonnet qui fait la Superfly. C'est une tarp qui est conçue pour les températures froides avec deux portes. Et à l'intérieur, c'est mon hamac de la même compagnie, War Bonnet. Un petit truc aussi pour éviter d'amener des piquets d'hiver. Juste à prendre une branche et de l'enfouir dans la neige avec le cordage. Ça fait vraiment des bons coups. Ça tient très bien même avec le vent et le froid. Alors, je viens de rabattre la moitié de ma tarp en arrière pour vous montrer l'intérieur de mon hamac. Donc, l'autre partie du hamac de la tarp est là, avec un remblai chaque côté. Ça l'aide beaucoup à isoler durant les nuits froides, surtout si c'est venteux. Alors, on commence avec le cocon vendu par War Bonnet. Le cocon, c'est une partie qu'on met par-dessus le ridgeline. Qui sert à couvrir tout le hamac durant l'hiver. C'est un cocon, c'est bien pratique pour l'hiver. Sauf que les avantages, c'est que il y a beaucoup de condensation avec ce système-là. Donc je commence avec l'étui extérieur, le underquilt. C'est un 0 degré. C'est à peu près moins 17 Celsius. C'est à peu près ce qu'il a fait cette nuit. C'est un produit, c'est un Wookie qu'il appelle. C'est un produit qui est fait spécialement pour les hamacs de War Bonnet. Mon hamac, moi, c'est un Blackbird. Deux épaisseurs, c'est le fond qui est doublé dans le fond. C'est un peu plus résistant, on peut mettre... On peut mettre un matelas à l'intérieur entre les deux couches et ça évite de se faire piquer par les maringouins durant l'été. Après ça, j'ai un protège, on appelle ça une bavette de condensation. C'est, je pense que c'est mon ami Shug qui a inventé le système. Cette bavette-là est accrochée sur le ridgeline ici. Et cette bavette-là, dans le fond, c'est pour... récolter toute la condensation qui ira durant la nuit. Mon Dieu, j'ai les lèvres gelées, excusez. On se met ça à l'entour du cou ici. Et voyez-vous la glace qui se forme ici? Bien, ça, c'est la condensation de ma respiration cette nuit. Après ça, on va passer à l'étage inférieur. J'ai un top quill de la compagnie Hammer Gear. C'est un 0 degré, moins 17. C'est fait spécialement pour les hamacs. En dessous, j'ai une doublure, un ancien sleeping bag de la Co-op, Mountain Co-op Equipment. C'est le produit, c'est un merlot que j'ai transformé en top quilt. Donc, ça me donne une doublure pour être mieux l'hiver. Et après ça, j'ai mon hamac. Voilà, c'est fini. C'était mon habitacle. On va passer deux jours. Thank you.
Mollo, mollo.